Mais ouais, un petit soda là, ce serait cool. Oh merde! On a encore le temps, on a encore le temps. Oh merde. On a un ours dans les parages. Qu'est-ce qu'on lui tire dessus de là? On lui a fait peur. On va récupérer la flèche. J'ai dit on va récupérer la flèche. Oh merde, il est là. Je l'ai pas tiré aussi loin quand même. Non, parce qu'il y allait pas, on l'a pas touché, on a tiré devant lui. Bon bah je crois adieu la flèche, hein, on va dire adieu à la flèche. Ah putain, on a perdu une flèche, c'est chier. On va faire toutes les voitures pendant qu'il est loin. J'aime pas quand il est derrière parce qu'il est... on peut pas tourner la tête. On va retenter. Touché. Oh putain, on est dans la pire voiture du monde, quoi. Oh putain. Je sais pas où il est. Je sais pas s'il est à côté ou pas. Merde. Je pense qu'il est parti. Oh la vache, j'ai peur. Ok. Wouhou. Ok. Il a deux jolies flèches plantées. Ok, on est reparti. Ah non, il a apeuré. Encore eux qui peut pas défoncer les voitures. Hein, parce que là, on serait bien dans la merde. Faudrait que j'aille récupérer ma flèche. Comment j'ai fait pour louper? Comment j'ai fait pour louper le tir quand même? Il revient. Oh putain. Il est toujours apeuré. On va se mettre de ce côté. Ok. C'est un peu dur de voir faire la différence en fait. Par contre, s'il revient. Qu'est-ce qui se passe? 46. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Ah, tête, flèche qui est tombée. Franchement, je pense pas qu'il va mourir de ça. Hein.
Je crois pas qu'il va mourir de ça. Non, on se casse parce que là on va geler sur place. Ah, on a perdu tellement de vie en fait. Oh la vache. On n'a pas assez sur nous pour faire du feu. Il fait moins 27 donc il faudrait un gros feu, il faudrait plein de bois. Là. Ok. Attendez. Ok, on fait un feu là. Oh là 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 là. Pourquoi à côté de la voiture? Bah déjà, je crois que la voiture protège. Je suis pas sûr. Mais on pourra se mettre dans la voiture. Comme ça, ça fera encore moins froid. Et avec la chaleur du feu, voilà, ça sera bien. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir un feu qui fait 3000 degrés. Il fait déjà moins 27, beaucoup. Ouais, mais là, le temps qu'on rentre, il fera trop froid. Là, on va geler, on va avoir une gelure. Et on a l'eau à côté. Si ça se passe bien, on peut le dépecer. Qu'au final la voiture ça sert pas vraiment à grand chose. Un peu con. Bah bon, c'est pas grave. On peut pas traîner la carcasse jusqu'ici, jusqu'au feu. Au final, c'était pas une très bonne idée. J'aurais dû faire complètement du feu en plein milieu à côté de la carcasse. Voilà. Alors là, à l'extérieur, on a moins 6. Enfin, on a 6 degrés. À l'intérieur, on a 8. Waouh. Waouh, ça valait le coup, hein. 2 degrés de plus. Ça valait largement le coup. Ça sert strictement à rien. Là, on peut pas couper le... pas découper des morceaux de viande à côté de la carcasse, c'est trop bien. C'est trop bien. Je sais pas trop quoi faire. Bon, on a qu'à... Voilà. Ah, oh, starving. Ah, trop tiré sur la corde. Ça va ?
on reprend le dessus, hein, petit à petit, on reprend le dessus. On a toujours ce problème de d'eau, donc on va aller le récupérer. Mais on a trouvé un ours. On a trouvé un ours. Il fait de plus en plus chaud, j'ai vu, on a deux flèches maintenant. Enfin, il fait de moins en moins froid, c'est ça exactement. Il faut se dire. Ah, très bien. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On va faire la même chose. On va récupérer des torches. Parce que je pense que le feu va mourir. Parce que le vent se lève. 42 minutes. Ouais, il fait de plus en plus froid. Ou alors, parce que j'avais parlé du fait qu'on peut éteindre le feu, ou alors on éteint le feu, mais on garde le bois en fait. Alors bon, peut-être récupérer le bois, ça serait un peu trop... trop avantageux, mais à la limite, genre le feu là qui est sur le sol, il a par exemple, on va dire, une heure de bois à brûler. Et ben on éteint le feu et du coup en fait ce feu là aura déjà une heure de bois à brûler à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça par exemple s'il commence à faire du vent, tout ça, bah on l'éteint, mais il y aura quand même plein de bois à l'intérieur, donc on pourra le relancer plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce serait pas mal, ça. En gros, ça se traduirait un peu comme ce que je suis en train de faire là, parce que là je suis en train de récupérer des torches et en faire du petit bois, donc en fait c'est ce que je suis plus ou moins en train de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait pas mal, un système, en fait. Enfin je pense. Je pense que ça serait pas mal. Allez, on se casse. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait de blanc? Enfin, il fait clair, en fait. Il y a genre aucun nuage, quoi. Putain, il y a des corbeaux de partout. C'est énorme. Qu'on pourrait faire aussi là, c'est descendre. C'est descendre, revenir à la maison. On va pas le faire parce que sinon ce serait pas drôle. Mais on peut faire ça. En tout cas, je crois que ce que je vais faire exactement, c'est
Allez combattre. Enfin, chasser, chasser. Se combattre, ça fait con. allez chasser le loup. Non, le l'ours. Et et l'élan, si on le trouve, un jour. Et puis après, je pense que je ferai ma pause, comme je vous ai dit. Après, on fera une ellipse. Parce que je suis en train de penser, là, si on tue un élan ou un loup, un ours... Putain, arrête de dire loup, quoi. On va se taper quoi, 30 kilos de barbac. Donc je vais pas cuire tout ça, je vais pas le montrer en vidéo, ça sert à rien. Déjà j'en ai fait pas mal la dernière fois. Mais je vais pas montrer ça. Cuire 30 kilos de barbac. Quoique, maintenant ça irait beaucoup plus vite. Ce qu'il faudrait faire en fait, ce qui va être chiant sûrement, c'est genre prendre les 30 kilos de viande et les ramener à la maison. Ça va être chiant. Ça va être extrêmement chiant. Parce que c'est loin. Mais ça serait le mieux. Parce que après, nous, on a le... faut que je dorme, faut qu'on récupère de la vie, là. Parce que moi, j'ai le... Attendez, parce que... On a le feu qui a plein de... Il n'y en a pas une autre, non, ça... Qui a plein de place, quoi. Donc ça ferait 6 morceaux de viande qui cuit en même temps. Donc au final, bon, ça irait beaucoup plus vite. Je crois en 20 minutes, on peut le faire, sûrement. Ça va être cool. Ça c'est vraiment sympa. Quand on y pense, ce système, putain, mais ça change la vie. Hein. Ça change vraiment la vie. On a 700... On va dormir 2 heures. Ok. Oh, me dis pas qu'il y a une tempête. Me dis pas qu'il y a une tempête. Ouais, fait pas trop froid. Allez, on avance. Donc ouais, je pense qu'on va prendre en... On va juste faire de la chasse. Et après, pour tout ce qui est découpage et tout, je le ferai de mon côté. Ça va prendre trop de temps. Surtout, ce qu'on va faire, c'est que... Oula, ça commence à avoir un brouillard, là, non? Un brouillard, ça. Ouais. Surtout, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir d'abord faire des sacs de viande. Pour que ça soit plus facile à transporter et tout. Après les sacs, il va falloir les ouvrir, les recycler. Oula, brouillard, là. Ouh, là, 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 là. Ouh, c'est moche. C'est moche. Putain, le brouillard il s'est levé d'un coup. C'est intéressant parce que c'est la première fois que je pense qu'on voit une levée de brouillard aussi rapide et intense. Par contre, il fait pas froid. Non, par contre, il fait pas froid du tout. Cool. Ah, on a ça aussi à manger. Ah ouais, merde, alors attendez. Il faut que je me concentre. Ah ouais, c'est vraiment pas le meilleur moment pour chasser par contre. Putain, on voit rien. Oh la vache, on voit rien. Fire. Fire. Yeah.
lapin. On n'a pas l'air d'avoir un élan ou quoi que ce soit. On va combattre l'ours. Par contre, on n'a pas de vie, quoi. Un peu dangereux. Honnêtement, j'aurais préféré quand même combattre l'élan, enfin chasser l'élan que l'ours. Parce que... Parce que l'ours, c'est bof. Enfin, la peau... En fait, le problème avec l'ours, c'est qu'il nous en faut deux à chaque fois de peau. Donc ça, c'est un peu emmerdant. Un truc qu'on peut faire avec... la peau d'élan, ce serait un vêtement et on pourra en porter deux. Alors nous pour le moment on a une veste en élan et une veste en loup, donc les loups ont peur. Mais la veste d'élan protège plus. Donc on aurait plus... On aurait plus cette... Oh merde! 34 kilos, putain, t'es sérieux. Ok, cool. On rentre. Il est mort. Il est mort d'hémorragie. C'est pour ça que les flèches sont tombées. On rentre. C'est quoi cette musique déprimante là? C'est parce que il fait froid. Moins 9, putain, il fait pas froid en plus. Et on est presque mourant, c'est ça? C'est pour ça que... Musique déprimante? Ouais, bon, par contre, faut se bouger les fesses, quoi. On va se bouger un peu les fesses. Bon, ben... Bingo loto, hein. On a abattu un ours. Voilà. On n'a pas eu d'élan. Mais on a eu un ours. On n'a pas eu d'élan, mais on a eu un ours. Je vous rappelle que nous on n'a pas de problème hein, par rapport à l'ours. Hein. Nous, on peut le manger. Hein. Manger la viande de carnivore, donc il y a de ce côté là ça va. Donc il faudrait revenir, oh là là, il faudrait revenir avec plein de bois en découpe en sac. Après, on recycle les sacs. Il y a un lapin là aussi. Ok, pas de panique, mais... Oh la vache, où on est? Yes, on est juste un tout petit peu trop vers là.
vers la paroi, mais ça va. Wouhou! Et voilà! Fou, la vie... la vie était basse. Hein. La vie est basse. 14%. La vache. Ok. La vie est basse. Alors, qu'est-ce qu'on va récupérer de ça? Hop, même un charbon. Voilà. Alors, on va dormir. On va dormir combien de temps? 6 heures. Je vais voir un peu l'eau. 6 heures, 1 litre 30. 7 heures, 6 heures. Et on va aller dépecer. Voilà, il nous reste... Putain, il nous reste quasiment pas d'eau. Non, ça va être trop juste. Ça va être trop juste parce que il va nous falloir au moins 4 à 5 heures de temps pour en faire des sacs, pour dépecer et tout. Ça va prendre trop de temps. Il nous faut de l'eau. On va prendre la corde. On va prendre la corde, on va descendre. Et on va aller à la maison. On récupère au moins 6 litres d'eau. Ah, et par contre, putain, faut qu'on soit léger, quoi. On va poser tout le bois devant la corde. On va poser tout le bois devant la corde, on descend. On va à la maison, on récupère de l'eau. Et on remonte. C'est parfait. Et c'est là qu'il y a l'élan qui nous attend. Alors on va pas trop sprinter parce que j'ai pas trop envie de perdre de l'endurance. Parce qu'en fait, faudrait complètement découper la viande, enfin récupérer la viande, quoi, avant qu'elle pourrisse, c'est ça le truc. C'est avant qu'elle pourrisse qu'il faut faire. Okay. Alors. Très bien, let's go. Est-ce qu'on a besoin de mettre quelque chose ici en fait? Non, c'est bon. Voilà. Let's go. Non, comme ça, on... En fait, plus on est léger, plus on peut prendre de l'eau, c'est pour ça. Ah, se fatigue vite par contre. Là, il y a 3 étoiles. 3 étoiles. 3 flèches. Donc, par où faut passer? Par là. C'est le pont. Ah ouais. Donc on va en direction du pont, on tourne juste à droite et on monte. Ok, cool. Cool. Tada! Alors,
Le problème maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? On fait tout le tour? Ou on prend la corde? Parce que si on prend la corde, il va falloir qu'on soit en pleine forme. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir être en pleine forme. On a trop. Là bah attendez. On va déposer ça. Là, ça c'est bien. Quoique, franchement, là on va récupérer la peau et tout ça. À la limite, on n'a pas besoin de. On va mettre tout dans le. Là. Alors, ça pas besoin. Ça pas besoin. Vous voyez, avec le strict minimum, ça non, ça non, ça non. Si on n'est pas loin, la zone elle est safe. Vous voyez ce que je veux dire? On va tout mettre. La zone elle est safe, on a tué l'ours. On a tué l'ours, donc il n'y a pas de problème quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, on est bon. On va mettre ça là. Parce qu'il nous faut de la place pour pouvoir porter, c'est ça le truc. La fusée c'est bon, le charbon aussi. Flèche, on va tout mettre, on en a 4. C'est suffisant. Ça non plus, on garde le couteau. Ça non, ça non, ça non. C'est bien quand même que ça soit à côté, hein, parce que là, oui, on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. Voilà, on dort une heure. On a combien d'eau sur nous? 9. On va prendre encore un litre. De toute façon, c'est pas comme s'il nous manquait des litres. On va se reposer une heure pour être complètement en forme. On sort et on escalade.